Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous montrer comment faire pour personnaliser votre WhatsApp. Donc toutes les discussions que vous faites comme ça là. Donc si vous êtes sur WhatsApp, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Il y en a beaucoup de personnes ici, cette partie. Donc où ils vont faire leurs photos ou bien même d'autres photos qu'ils veulent faire. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire pour mettre ici une photo. C'est très simple, mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce que là, dans cette chaîne, on fait des tutos très, très, très intéressants. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, dites-moi vos questions dans les commentaires, tous vos problèmes sur votre smartphone, que ce soit Android ou iPhone. Moi, je suis là, je vais lire toutes les questions et ensuite je vais faire des tutos pour résoudre vos problèmes. Alors, pour maintenant personnaliser notre WhatsApp, c'est très simple. Ce que vous allez faire ici, vous allez cliquer ici sur votre contact. Donc on va cliquer par exemple celle-là. On va faire comme si on va lui envoyer deux messages, mais ce qui nous intéresse c'est les trois petits points ici en haut à droite. On va cliquer. Ensuite vous allez voir fond d'écran, vous cliquez et là c'est à vous de choisir. Donc vous pouvez choisir clair. C'est des images par défaut que WhatsApp a mis ici. Donc, si ces images vous plaisent, vous pouvez choisir. Donc, là, c'est des images claires. Vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez voir. Et aussi, il y en a aussi des images sombres. Donc, là, vous pouvez choisir. C'est des belles images. Aussi, là, on a couleur unique. Vous pouvez aussi choisir, mais celle que beaucoup de personnes veulent, c'est cette partie-là, mes photos. Donc là, si vous cliquez, ça va vous rediriger vers votre galerie. Et maintenant, c'est à vous de choisir la photo que vous voulez. Donc, si vous choisissez votre photo, ensuite, ce que vous allez faire, comme ça, par exemple, moi, je préfère celle-là. Donc, je vais cliquer celle-là. Donc après avoir choisi votre photo dans votre galerie, ensuite vous allez attendre que ça charge. Donc ça va charger. Maintenant c'est bon. Vous allez cliquer définir comme fond d'écran. Et après ça, là c'est à vous de cocher. Maintenant si vous voulez que ça s'affiche simplement sur cette discussion, donc ou cette contact là que j'ai choisi, si vous voulez que ça s'affiche simplement sur cette contact, vous pouvez le laisser ici. Si vous voulez que ça s'affiche sur toutes les discussions, donc vous cliquez là. Donc maintenant, si vous cliquez OK, ça va s'apparaître sur toutes les contacts. Donc là c'est bon, OK. Et maintenant ça y est, je l'ai fait. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un gros like. N'oubliez pas de dire vos questions dans les commentaires. Je suis là et je vais faire des tutos pour résoudre tous vos problèmes. N'oubliez pas les amis de lâcher un gros like parce que ces tutos, ça me donne aussi envie de faire encore plus. Les likes, ça me donne envie. Donc n'oubliez pas de bombarder les likes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle tuto. Allez, peace out.